Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la rubrique Booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Le Passage de Justin Cronin. C'est le premier tome d'une trilogie. Le départ du roman se déroule en 2010 aux États-Unis. On y suit deux agents du FBI qui persuadent Gray, un condamné à mort, de participer à une expérience. Gray et 11 autres condamnés à mort se retrouvent dans une base ultra secrète pour une expérience médicale. Ils sont enfermés avec des militaires et des scientifiques jusqu'au jour où un 13e cobaye est amené dans la base ultra secrète. Ce cobaye est une petite fille de 8 ans qui s'appelle Amy. Nous faisons ensuite un bond de 100 ans en avant. Là, nous allons suivre Peter, un personnage qui vit avec une communauté qui a échappé à l'apocalypse. Cette apocalypse a été causée par l'invasion de mutants. Cette invasion a ravagé le monde. Les habitants de la communauté où vit Peter ne doivent leur survie qu'à de hautes palissades et surtout aux lumières. Ces lumières sont alimentées par des éoliennes. C'est le seul rempart contre l'invasion des virules qui survient à la nuit tombée. Hélas, les batteries qui alimentent les lumières autour des remparts commencent à montrer de gros signes de fatigue. Sans la protection des lumières, les habitants de la communauté sont tous en danger. Justin Cronin nous livre ici une trilogie époustouflante. Il mélange avec brio, fantastique, post-apo, intrigue. Tous ces personnages sont très attachants. Que vous soyez adepte ou pas de ce genre de littérature, je suis persuadée que vous le dévorerez sans modération. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Et voilà! J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo coup de cœur sur la chaîne de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Au revoir! Rubrique YouTubing. Rubrique Booktubing. Les lumières ne s'allumeront plus. Et là. Que vous soyez adepte des...